Alors, l'autre jour, je te disais aux échecs, alors que j'y ai joué, mais j'avais oublié complètement la règle. Je te disais, le but, c'est de prendre la reine à l'équipe adverse, enfin, à l'adversaire. Et tu me dis, mais non, c'est de mettre, c'est évident, en échec le roi. Bon. Et donc, depuis, ça, c'est l'autre jour, mais ça fait des semaines, je me dis, mais pourquoi j'ai fait cette bévue, cette confusion? Oh non, en réalité c'est complémentaire, c'est un peu dur. Toi tu veux prendre la reine. Voilà. Donc. Mais je crois même qu'on a déjà fait une vidéo là-dessus, mais bon, c'est pour ça que je souris. D'accord. C'est des thèmes récurrents. Oui. Mais on va voir. On va voir, peut-être qu'il y aura une autre ouverture, voilà. Une autre saillie justement. Bon, clairement il y a un arrière-plan sensuel, voire sexuel, prendre la reine c'est... Et t'as pas un truc plus terre-à-terre hein, du quotidien parce que là, on est dans une sorte de métaphore et peut-être une métonymie. Et non, et je me demandais si toi, cet élan prédateur... Mais non, mais justement... Il se manifeste vis-à-vis du genre alors, hétéro. Alors, je vais le déplacer sur quelque chose dans laquelle, enfin, dont je peux parler sincèrement actuellement. Il y a peut-être une lecture de type échec. Voilà. Mais donc, c'est la rentrée, lundi. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est dans... Alors, on voit toujours les choses telles qu'on est chacun, et dans ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Et donc, moi, cette rentrée que j'avais, comme je fais l'enseignement, j'avais déjà anticipé même il y a 2 ans, j'avais vu que c'était une entrée difficile parce que ça commence le 2, enfin pour moi. Le 2 septembre, c'est très tôt. Mm-hmm. Il y a les rentrées, c'est le 4, le 5, le 6. Et déjà, il y a 2 ans, je m'étais dit, oh, l'année 2024, quelle horreur. Ah oui, déjà. Déjà. Mm-hmm. Et donc là, je me vois prendre la rentrée tranquillement. Et donc, ce que je dis qu'on voit autour, c'est que j'ai l'impression que les autres aussi. Mais c'est une vue de l'esprit, probablement. D'accord. Il y a moins d'agitation sur la résolution, il y a moins d'agitation, hein? Je trouvais la solution et je vous l'ai dit, ou venez chez moi trouver la solution. Je vois moins d'excitation pour éventuellement, enfin, dans la partie d'échec qui se joue pour chacun à la rentrée, aller tout de suite prendre la reine, parce que c'est la pièce forte de l'adversaire. Donc c'est pour ça qu'on veut lui en priver pour ensuite, bien évidemment, avoir accès au roi. Mais j'ai l'impression que c'est plus calme. Donc, et toi, tu prends comment la rentrée? Est-ce que c'est prendre la reine ou faire échec au roi? Prendre la reine. Enfin, ma mère est décédée, donc je vois une pensée que je pensais travailler sur le divan, mais ici c'est pas un espace divan. Mais je me dis, tiens, ça, je sais que je. Avant, j'avais une petite voix qui me disait, ma mère là-dessus aurait dit ça, ou moi je lui aurais raconté ce que je faisais pas. Hein, mais et je me dis, c'est comme si le fait de sa disparition, qui n'est pas soudaine, hein, me. Pas me confisque, mais. Déclic, une espèce de surmoi, hein. Enfin le surmoi c'est une espèce de commandeur intérieur qui est finalement j'ai plus à rendre compte à une mère qui est une mère de l'enfance, hein, voilà, ouais. et ça me met dans un espace un peu trouble quand même, qui est tiens, mais maintenant je peux vivre ma vie sans, enfin un peu des parties de ce que tu disais, une excitation, une espèce de commandement intérieur. Donc c'est plus serein. C'était toi qui étais pris.